Mais ouais, on est en plein bull run. Lambeau, baby. La crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale dont la valeur est déterminée en fonction de l'offre et de la demande. On n'entend plus le gling-gling-gling des pièces de monnaie, mais ça allège notre porte-monnaie et ça, c'est très satisfaisant. Avec la crypto-monnaie, on peut acheter en ligne, sans billets et sans monnaie. Comme un do-it-yourself, on peut nous aussi créer notre propre crypto. Avec la crypto-monnaie, aucune intervention ni d'une banque, ni humaine. Ce sont les algorithmes qui vérifient que l'argent est disponible et le transfèrent immédiatement et en toute transparence. Toutes les transactions sont inscrites dans un livre géant de compte numérique qu'on appelle la blockchain. Alors ça sert à rien de l'acheter sur un site e-commerce ou en librairie ou même de l'emprunter dans la bibliothèque municipale, car c'est un livre numérique auquel tout le monde a accès. Est-ce que cette nouvelle monnaie digitale peut dérouter? Oui, ça peut. Est-ce que cette nouvelle monnaie digitale est révolutionnaire? Oui, elle l'est. Et ceux qui créent et font évoluer ces actifs numériques, ce sont des développeurs, connus ou anonymes. Potentiellement, moi je suis peut-être un développeur. Mais vous pourrez jamais le savoir. Sauf si je vous le dis. Mais je vous le dirai jamais. Fini les tirelires cochons et les étrennes données par mamie dans une enveloppe. Et donc finalement, l'argent, ça devient quoi? Du vent.